Neandertalers hadden een strottenhoofd. Wil dat zeggen dat die primitieve voorloper van de mens kon spreken? Twee miljoen jaar geleden verlieten de eerste mensachtigen Afrika. Ze begonnen zich snel over de hele wereld te verspreiden. De Homo habilis, de Pekingmens, de Homo antecessor, de Neandertaler. De soort evolueerde snel tot 100.000 jaar geleden in Afrika de Homo sapiens opdook. Een mensachtige die kon spreken. Maar was hij echt de allereerste die sprak? Wetenschappers uit alle disciplines betwisten nu dat algemeen aanvaarde idee. Hun aandacht richt zich nu op onze dichtste neef, de Neandertaler, die zo'n 250.000 jaar geleden in Europa opdook. De Neandertaler, die buitengewoon bedreven was in de jacht, wordt niet langer gezien als een half mislukte mens. Is het idee dat de Neandertaler kon praten nog altijd zo ondenkbaar? Omdat taal geen fossiele sporen achterlaat, moeten wetenschappers elke mogelijke aanwijzing proberen te interpreteren. Om te weten of de Neandertalers echt spraken, formuleren ze hypotheses op basis van de sporen die de Neandertalers achtergelaten hebben tijdens hun activiteiten, zoals bijvoorbeeld de jacht. Les hommes de Néandertal ici amènent des morceaux de carcasse de renne pour en extraire le maximum de ressources alimentaires. Ils extraient toutes les parties molles, toutes les parties musculaires, ils cassent tous les os pour en extraire la moelle marron, riche en graisse. Ils cassent et ils emportent toutes les extrémités articulaires qui a la moelle rouge, riche en sang, afin de stocker cette ressource alimentaire, assez probablement à l'endroit où ils vivaient. Donc c'est un peu une boucherie, finalement, du paléolithique moyen. Cette pratique, bien sûr, nécessite un langage, parce qu'il faut pouvoir communiquer avec toutes les autres personnes qui font le même type d'activité. Il faut pouvoir communiquer avec les membres du groupe dans lequel on vit pour pouvoir stocker cette nourriture. C'est un comportement qui est très spécialisé. L'idée qu'on va préserver la nourriture afin de pouvoir s'alimenter dans le futur. Et c'est un comportement aussi très spécialisé par rapport à toutes les questions relatives à cet environnement qui était autour d'eux et qu'ils connaissaient parfaitement. C'est dire qu'ils avaient des capacités cognitives similaires aux nôtres. Et pour moi, ces capacités cognitives impliquent des capacités langagières d'une complexité identique. Het is geen toeval dat Bruno Morey deze hypothese naar voren schuift. Wetenschappers die de Neandertaler bestuderen, zijn er namelijk van overtuigd dat de Neandertaler verder geëvolueerd was en dichter bij ons stond dan we oorspronkelijk dachten. Dat archeologen nu denken dat de Neandertaler kon spreken, heeft alles te maken met de revolutie die er in de jaren 80 plaatsvond in het wetenschappelijk denken. Jean-Louis Heim, een Franse onderzoeker, wierp een eerste licht op de zaak. In 1981 begon hij met de reconstructie van de schedel van een Neandertaler van 50.000 jaar oud. Door die schedel zijn wetenschappers tot de conclusie gekomen dat Neandertalers konden spreken. Al kwamen ze voor een verrassing te staan. Tout ce qui a été étudié avant ma reconstitution pose un peu un problème, c'est qu'on n'avait pas les données réelles. La base du crâne était placée en position très horizontale, ce qui avait eu pour effet de faire penser que cette position ressemblait davantage à celle d'un singe. D'où toute la polémique qui a été présentée depuis une trentaine d'années sur l'incapacité des Néandertaliens à profiter de la parole. Alors cette reconstitution annule complètement toutes ces idées pour montrer justement qu'avec une base du crâne fléchie comme chez nous, la capacité phonatoire était possible, parce que ça entraîne tout un mécanisme au niveau de la posture du corps et tout le reste. Donc par conséquent, il y a une corrélation étroite entre la position de notre corps et la position de la tête au-dessus de la colonne vertébrale. Et ça, c'est la bipédie qui a été à l'origine de cette disposition. Een jaar later, in 1982, kwam er een nieuw element aan het licht. Dat ondersteunde de theorie dat de Neandertaler anatomisch in staat was om te spreken. Een internationale groep wetenschappers keerde terug naar de plaats waar in de jaren 30 de opgravingen waren begonnen.
Zij deden een ontdekking in een grot op de Karmelberg vlakbij Haifa. Deze streek is altijd een natuurlijke doorgang geweest tussen Afrika en de rest van de wereld. 2 miljoen jaar lang kruisten onze verschillende voorouders hier met elkaar, terwijl ze op zoek waren naar een ander klimaat en een ander biotoop. Een Neandertaler begraafplaats van 60.000 jaar geleden leverde de antropologen nieuw onderzoeksmateriaal op. On a vu apparaître en fouillant, c'est une collègue qui a trouvé des premiers éléments, des premiers os humains. Ensuite, on a commencé à décaper progressivement et on a mis en évidence tout un squelette qui était conservé avec les connexions anatomiques et donc ça a été une découverte pour nous fantastique parce que c'était la première pour la période considérée et dans tout l'ancien monde depuis plus de 25 ans. Donc ça a été les mois sur le site et les fouilleurs, qui étaient des fouilleurs venant des différentes universités israéliennes, américaines ou françaises, ont été très excités aussi par cette découverte. Peut-être la plus importante, c'est cette petite os qui s'appelle Ayoïde. Et c'est la première fois qu'il a été trouvé dans des très anciens exemplaires humains. C'est lui qui est la base, on peut dire, de la fondation, qui nous indique quelle est la distance entre la larynx, la larynx, pharynx et la base du crâne. Il nous indique quelles sont les possibilités de avoir une chambre sonore pour faire le son qu'on a besoin pour ça, pour parler. Et maintenant, ici, vous avez la mâchoire, la mandibule. Ça est à une très, très proche relation avec l'os hyoïde. Ils ont comme ça, un presque attaché à l'autre. Et donc, si moi j'ai le hyoïde et la mandibule, je peux savoir exactement quelle est la relation entre les deux composants anatomiques. Et aussi, on peut savoir quelle est la distance entre la base de crâne et le petit os hyoïde. Donc c'était une première découverte. Et ça a amené de la part des collègues qui pensaient que l'origine du langage était directement associée à l'homme dit moderne, c'est-à-dire aux hommes du paléolithique supérieur qui avaient également découvert l'art, de constater qu'avant la manifestation de l'art, pariétal ou autre, il y avait déjà un langage articulé. Depuis, nos collègues espagnols ont trouvé dans un site près d'Atapuerca, le site de Cima de los Huesos, des os hyoïdes qui leur permettent de dire que dans ce site, dans des niveaux datés de autour de 500 000 ans, selon les dernières datations publiées, l'os hyoïde était déjà de morphologie moderne. Et là, ce seraient des hommes fossiles qui ont précédé les Néandertaliens. Ce ne sont pas encore tout à fait des Néandertaliens pour eux. Misschien konden ze dus al 400.000 jaar eerder spreken dan we dachten, zelfs nog voor de Neandertalers. En als de Homo sapiens en de Neandertaler allebei konden spreken, is het mogelijk dat de Homo ergaster, een gemeenschappelijke voorouder in het evolutieproces, ook kon spreken. En dat betekent dat we plots 2 miljoen jaar in de tijd terugkeren. Jean-Louis Heim, die de schedel had gereconstrueerd, ging nog verder in zijn onderzoek en riep de hulp in van Louis-Jean Bouet, een spraakexpert. Ze wilden bewijzen dat de Neandertalers een stemkanaal hadden waarmee ze de verscheidenheid aan klanken konden produceren die we gebruiken als we spreken. Bouet kon dat bewijs leveren dankzij het virtuele model dat hij van het stemkanaal van de Neandertaler maakte. Jusqu'à maintenant, il y avait une théorie qui était largement diffusée. Qui consistait à dire le singe ne parle pas, le bébé ne parle pas, Néandertal ne pouvait pas parler parce qu'ils avaient un petit pharynx. En fait, les travaux que nous avons menés montrent tout d'abord qu'un conduit vocal de singe à la naissance est exactement identique à un conduit vocal de bébé. Donc le bébé, très rapidement, à partir de 7 mois, va babiller, va pouvoir parler. Vanaf 4-5 maanden, als het strottenhoofd zich volledig ontwikkeld heeft, kan een baby zijn stem moduleren. Het is alsof hij voorbestemd is voor taal. Nous avons montré même qu'un conduit vocal
de singes adultes, de chimpanzés adultes, pouvaient produire tous les sons qui sont présents dans les langues du monde. Mais aucun chimpanzé n'a parlé. Donc en fait, si le chimpanzé ne parle pas, ce n'est pas à cause de son conduit vocal, c'est à cause de la maîtrise de son conduit vocal et de son incapacité à associer des gestes à des sons et à du sens. Daarom moeten wetenschappers de theorie opgeven die zegt dat de Homo sapiens de eerste was die kon spreken dankzij de positie van zijn stemkanaal. Maar dat je spraakorganen hebt, betekent dus nog niet dat je kunt spreken. Waar moeten we dan zoeken om de oorsprong van taal te vinden? Language, whatever we are talking about, in a sense that one is communicating with another individual and one is understanding another individual, in my opinion, the anatomy is not the answer here. I think what we actually have to go for an answer is really the archaeological record. And in my opinion, the moment you see standardized tools, I'm not talking about sticks and about a bone or something like this, but tools that are standardized and there are rules in producing them, and this appeared about it's about 2 million years ago, you have standardized tools. This is already an indication that there is communication. Communication probably with language. Qui dit technologie complexe dit apprentissage, dit transmission des savoirs, et ces savoirs, à un moment donné, sont tellement sophistiqués, tellement complexes que on peut difficilement imaginer qu'il ne s'agit que de transmission des savoirs par des grognements ou des gestes. On peut supposer effectivement un langage articulé assez rapidement. This is a scraper, and it's a scraper that you can hold in your hand, and it was probably a very nice butchery tool. Now, it's not so much the tool that I want to draw your attention to, but it's the material. Around the site itself, the raw material, the flint, is of extremely poor quality. It's not very easy to chip. It doesn't really provide the basis for a very functional tool. However, more than 30 kilometers away are flint deposits like this flint, which makes very, very excellent tools. The Neanderthals knew the difference between the two flint sources. They went off and traveled the 30 kilometers one way and back and brought this good flint back. With the very good flint, they kept them, and when the edge got dull, they sharpened it. And of course, the tool got smaller, and they sharpened it again. So they curated the tool until it could no longer be used. And that, to me, bespeaks a very, very complex quality of understanding. Een vorm bedenken voor je die uithoudt in vuursteen. Je een beeld kunnen vormen van iets wat nog niet bestaat. De toekomst kunnen voorzien. Naar een voorwerp verwijzen dat niet meer voor je ligt. Dat vormt de kern van een symbolische activiteit. En taal kan niet bestaan zonder symbolisch denken. So far, the archaeologists have been concerned with the question of symbolic representation in terms of cave art or in plastic art, carvings on ivory or antler. And so we have nothing that is like that for Neanderthals, although there is some evidence from a Neanderthal from the coast of France that they did fashion ornaments. And this would indeed signify that in some way they were capable of symbolic representation, and in my estimation would say that they actually were able to utilize language. Als je op zoek wil gaan naar de oorsprong van taal, dan moet je dus de sporen van symbolisch denken bestuderen. En dat is precies wat Francesco De Rico over de hele wereld doet. Il y a 10 ans, on considérait que les premiers objets de parure avaient été créés par des hommes comme nous, arrivant en Europe il y a environ 40 000 ans, et remplaçant les derniers Néandertaliens. Aujourd'hui, nous savons que les premiers objets de parure ont été utilisés en Afrique du Sud, en Afrique du Nord et au Proche-Orient il y a au moins 100 000 ans.
Ces coquillages ont été délibérément choisis, ramassés sur la plage, perforés, portés, coloriés. Donc nous avons là les preuves d'une volonté claire de changer l'image de notre corps et le transformer dans un symbole qui pouvait communiquer des informations aux membres du même groupe ou aux membres des groupes voisins. Ce que vous voyez ici est un fragment d'oxyde de manganèse utilisé comme colorant par les Néandertaliens il y a 50 000 ans. Sur la facette sur l'écran, vous voyez des stries obliques, légèrement obliques par rapport à l'axe de la facette. Ces stries ont été produites par les Néandertaliens en abrasant le colorant sur un fragment de grès. Nous avons dans le même site des fragments de grès, des plaquettes de grès qui portent encore les traces de cette abrasion sous la forme d'une tache de couleur noire. Pourquoi ils l'utilisaient ? Nous pensons, d'après l'analyse microscopique des colorants et d'après l'étude rugosimétrique des facettes, que ces colorants devaient être, après la première abrasion, utilisés sur des surfaces souples, comme de la peau animale ou de la peau humaine, peut-être pour produire des peintures corporelles. Dat de Neandertalers hun lichaam zo versierden, is nog een element dat erop wijst dat ze konden praten. Maar van hun prehistorische voorgangers zijn alle sporen van artistieke of symbolische activiteit verdwenen. Voor hun verdere onderzoek beschikken de archeologen alleen maar over een paar zeldzame skeletten en beenderen. Maar hoe kun je in fossiele schedels, waar er niet eens meer hersenen zitten, aanwijzingen terugvinden over het evolutieproces dat tot menselijk denken en taal geleid heeft? En toch zijn die aanwijzingen er. Maar soms moet je daarvoor de kleine details vinden, zoals de kleine sporen die de windingen van de hersenen achterlaten in de hersenpan. Alan Mann legt uit. In the back of the brain, there is a very slight groove, which is shaped like a half moon. And so it is called the moon-shaped groove, or the moon-shaped sulcus, or the lunate sulcus. And in the apes, this groove is relatively far forward in the brain. And that means that the very back of the brain, where the part of the brain which receives visual images from the eyes is located, is comparatively large. When we look at the position of this lunate sulcus in a chimpanzee and say a creature like this Australopithecine from South Africa, what we see is that the lunate sulcus on the brain, on the inside of the brain case, is relatively far back. But the area immediately in front of that, where there is a very important association area, that area is smaller in chimps. And that means that this association area, because it is underneath the parietal bone, it's called the parietal association area, that this area seems to be enlarged. If this association area has in fact enlarged in the very earliest stages of human evolution, what that means is that these creatures, though they had a brain that was ape-sized, were able to incorporate much more information about their environment. Volgens Alan Mann begon zich al in de beginfase van de menselijke ontwikkeling een vorm van associatief denken te ontwikkelen. En datgene wat van ons moderne mensen maakt, zag je al bij de Australopithecus zo'n 4 miljoen jaar geleden. In het Lab voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig werpt Jean-Jacques Hublin een nieuw licht op het onderzoek. Met een scanner vergelijkt hij de groei van de hersenpan van de allereerste mensachtige tot de moderne mens, van hun geboorte tot ze volwassen zijn. Op die manier krijgt hij driedimensionale beelden van hoe de hersenen van een kind zich ontwikkelen. Zo hoopt hij te achterhalen welke rol groeimechanismen spelen in het produceren van taal. Les hommes naissent avec un cerveau qui est extrêmement petit à la naissance, à peu près un quart de la taille de l'adulte à la naissance. C'est beaucoup moins que les 70% qu'on observe chez un macaque ou même les 40% qu'on observe chez un chimpanzé.
Et là encore, on sait que ce développement du cerveau après la naissance chez l'homme joue probablement un rôle très très important dans notre capacité à développer un langage complexe. Pourquoi ? Parce que, en gros, le câblage du cerveau se met en place alors que l'individu est déjà en train d'interagir avec son environnement, avec ses parents, avec le groupe social. La question, c'est pourquoi ce caractère s'est mis en place chez l'homme. Et là, on pense que les femelles hominidées avaient une limitation très très forte à développer des petits avec un cerveau très très gros à la naissance, parce que simplement elles ne pouvaient pas consacrer l'énergie suffisante au fonctionnement de leur propre cerveau et du cerveau d'un fœtus qui aurait atteint 70% de la taille d'un adulte, par exemple. Et puis, autre problème, nous sommes des bipèdes, nous avons besoin d'un bassin qui est très étroit, et là encore, il y a un conflit entre les contraintes de réduction du diamètre du bassin, et puis d'autre part, l'accroissement du cerveau au cours de l'évolution. Donc, en ayant des petits avec un cerveau réduit à la naissance, eh bien, on résout ces problèmes-là, mais du même coup, il y a un bénéfice secondaire qui est l'exposition du cerveau à cette suite de stimuli. Et donc, voilà un deuxième caractère qui est probablement nécessaire au développement du langage complexe, mais qui a initialement été acquis pour des raisons qui n'ont probablement rien à voir avec le langage. Dat de hersenen zich bij tweevoeters na de geboorte verder konden ontwikkelen, leidde er ongetwijfeld toe dat er onverwacht hersenmechanismen opdoken die leidden tot menselijke spraak. Door deze min of meer gedwongen transformatie van de hersenen kregen de mensachtigen nieuwe mogelijkheden om zich aan te passen. Dat de zoektocht naar de oorsprong van taal weer onder de aandacht kwam, hebben we te danken aan onderzoek van psychologen. Toen hij primaten aan het observeren was, stelde een psycholoog tot zijn verrassing vast dat een bepaalde soort apen hoofdzakelijk hun rechterhand gebruikte om met hun soortgenoten te communiceren. De rechterhand die in dit geval gecontroleerd werd door de linkerhelft van de hersenen. En dat is bij mensen net de helft die taal en spraak regelt. Chez les babouins, mais aussi chez les chimpanzés, on aurait une forme de communication qui serait latéralisée et qui mobiliserait des structures nerveuses qu'on va retrouver ensuite à l'œuvre activée chez l'homme. Il est intéressant de constater que cette mobilisation pour la communication gestuelle n'aurait pas son équivalent pour ce qui est de la communication vocale. Les primates non humains vocalisent, vous les entendez, mais les recherches de terrain et de laboratoire ont montré que la production vocale n'est pas latéralisée au niveau cérébral, alors que la communication gestuelle semble l'être de façon beaucoup plus évidente. Mon idée, c'est que le geste est organisé de manière différente que les vocalisations, que le contrôle cérébral du geste est plus précoce que celui des vocalisations. C'est vrai d'ailleurs chez l'enfant. L'enfant humain a un contrôle de ses gestes plus précoce que celui de ses vocalisations. Et donc, tout ça me fait soutenir l'idée que le système gestuel a joué un rôle important dans la mise en place de ce long processus qui a conduit au langage. Het vermogen van de hersenen om taalmechanismen te beheersen is zich misschien al 8 miljoen jaar geleden beginnen te ontwikkelen, lang voor het eerste woord is uitgesproken. Dat de rechterhand voor communicatie gebruikt werd, verklaart misschien wel waarom onze linker hersenhelft zich is gaan specialiseren in taal. En net in die linkerhelft bevinden zich de twee gebieden die verantwoordelijk zijn voor taal. Het gebied van Broca, het spraakcentrum dat ons spreken stuurt, en het gebied van Wernicke, het begripcentrum dat ons in staat stelt taal te begrijpen. Deze twee gebieden zijn verbonden door een bundel van zenuwvezels.
si cette hypothèse-là est vraie, alors les signes de la langue des signes ont certainement un statut très particulier, parce que ça voudrait dire que les aires du cerveau qui nous permettent de comprendre ce qu'on entend, les aires de Broca et de Wernicke qui travaillent ensemble, au départ, ça aurait dû être des aires qui permettent de bien saisir la forme d'un signe et de l'interpréter. Et ça aurait évolué vers la compréhension des sons du langage. Donc on a fait l'hypothèse que si ça c'était vrai, alors, si on présentait de la langue des signes à quelqu'un qui ne la comprend pas, on devrait activer les aires de la compréhension. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris des sujets et on leur a proposé de regarder une histoire signée ou bien une histoire racontée en langue orale. Ok, tu peux ouvrir tes yeux, je te rentre dans le tunnel. Een van de pioniers van de medische beeldvorming van hersenen is Nathalie Tsourio. Zij en haar team kunnen dankzij die techniek in vivo zien hoe de hersenen werken tijdens verschillende taaloefeningen. Donc tu vas voir apparaître sur l'écran une personne qui va raconter une histoire. Il était une fois un oiseau qui portait une très grosse valise. Elle n'était pas du tout à sa taille. Tijdens het experiment zie je dat die gebieden actief zijn die de hersenen gebruiken om gesproken taal te lezen, te interpreteren en te begrijpen. Dat is niet het geval als de proefpersoon een verhaal te horen krijgt in een vreemde taal die hij niet begrijpt. Je vais voir une personne donc qui raconte une histoire, mais cette fois-ci en langue des signes. Hoewel de persoon geen gebarentaal begrijpt, worden opnieuw die gebieden actief die de hersenen gebruikt om taal te lezen en te interpreteren. Maar niet alleen die gebieden. En fait, quand ils regardaient l'histoire en langue des signes, ils activaient les aires de la compréhension du langage avec la même intensité. Donc, on peut penser que c'est un argument de plus pour dire qu'effectivement, le langage a pu évoluer à partir du geste. Et que ce sont bien les régions qui ont permis de décoder les gestes et de leur donner un sens qui sont devenues les régions de la compréhension du langage. Donc le sens, son intégration, sa formulation, sa transmission, c'est un noyau commun, que ce soit des langues signées, que ce soit même un peu de la pantomime en fait. Is het niet onvoorstelbaar dat we in onze hersenen het onuitwisbare spoor kunnen lezen van een activiteit van meer dan 4 miljoen jaar geleden? Maar hoe komt het dat we onze stem zijn gaan gebruiken? Waarom hebben we gebarentaal ingeruild voor spraak? Linguisten en neurologen zijn op zoek naar nieuwe antwoorden op deze vragen. Voor Michael Corbalis is het logisch dat we die overgang van gebaren naar woorden hebben gemaakt, omdat je gebarentaal en spraak niet los kunt zien van elkaar. Well, I think probably initially vocalizations did augment manual gesture, but with the course of time, manual gesture augments speech, and that's why people gesture as they speak. So I think it was probably adaptive to introduce vocal sounds into manual language. By the way, I think that speech itself is gesture. So what we are doing is we are gesturing with our tongues, our lips, our larynx, and so forth. So really it was just a shift from one kind of gesture to another. And then once we've got gesture in the face, of course you can't see some of the gestures because they're inside the mouth. And that's why we need vocalization. So that they can be accessible. I propose that the first step towards language would be the ability to reenact an event, which is itself a very abstract thing. You have to not only perceive the event, but you have to transform it in the brain into a form that can be played out on your own muscles, on your own motor nerves. And to do that, you have only the brain can really only do one thing. It can only move muscles. And so long as you can't create patterns in your muscles, in your face, your voice, your body, to represent that you've understood, there isn't any way to get your knowledge out of your brain and to someone else. So the first step, in my view, was mimesis, the ability to reenact events. De Canadese psycholoog Merlin Donald voegt er verder nog aan toe.
Omdat gebarentaal beperkt is, heeft de gesproken taal zich volgens hem uiteindelijk doen gelden. Wat eigen is aan de mens, is dat hij een technische en symbolische omgeving creëert die hem dwingt om zichzelf te proberen overtreffen. We gaan dingen doen waarvoor we oorspronkelijk niet uitgerust waren. Cultuur zorgt ervoor dat we mogelijkheden gaan verkennen die tot dan toe enkel sluimerend aanwezig waren in onze hersenen. Deze zoektocht naar de oorsprong van taal leidt ons naar ons diepste zelf. Hoe namen woorden hun plaats in de contacten tussen mensen? Bruno Falissard keert terug naar ons eerste levensjaar. Je suis en face d'un arbre et je reconnais l'arbre, mais les arbres sont jamais tous les mêmes les uns des autres. Donc le cerveau humain catégorise en reconnaissant, il se souvient et il associe une forme à un ensemble de formes qui y étaient proches. En fait, les mots, c'est exactement la même chose, sauf que ça se passe à l'échelon d'une société et pas d'un être humain. Nous voyons des arbres et il se peut qu'il y ait des fruits qui soient intéressants sur cet arbre et qu'on ait envie de les manger. Donc j'ai envie de dire, de vous dire qu'il y a là, sur ce truc-là, moi, dans mon cerveau, c'est un arbre, mais je n'ai pas le mot pour le dire parce que je ne sais pas encore parler. Et donc, je vais signifier lui. Donc je vais créer un son qui va correspondre à cet arbre-là. Et puis, au fur et à mesure que l'on va appeler comme ça des objets, on va se rendre compte qu'on peut créer un son qui correspond à ce que l'on reconnaît systématiquement et qui prend la forme d'un arbre. Et c'est comme ça que vient le mot arbre. Donc tout fonctionne par catégorisation, reconnaissance. Et le langage, c'est une catégorisation. C'est un ensemble de formes communes, communes à nous. On lui attribue le même son. De Amerikaanse psycholoog Derek Bickerton formuleerde de volgende stap, wat hij prototaal noemt. Dat is een taal waaraan je genoeg hebt als je werktuigen wil maken en gaat jagen. Zoals de taal van een kind van 18 maanden, zonder grammatica, een taal die bestaat uit een combinatie van gebaren, intonaties en woorden. Een vorm van expressie die misschien al meer dan 1 miljoen jaar bestond voor de Homo sapiens taal uitvond. Maar volgens linguist Denis Bouchard heeft het niet zo lang geduurd voor de volgende stap is gezet. Il suffirait d'avoir un mot pour absolument chacune des situations dont on voudrait parler. Évidemment, ça devient très vite impossible à gérer. Le cerveau ne peut pas emmagasiner tout ça. Notre système perceptuel ne permet pas des distinctions suffisamment fines pour avoir une infinité d'éléments comme ça. On commence donc à combiner. C'est là qu'arrive la syntaxe très rapidement. La syntaxe combine tout simplement des éléments qui sont relativement généraux. Les mots ont des sens relativement généraux, mais en les combinant, on peut faire un effet d'entonnoir et arriver à exprimer ce qu'on veut exprimer. Mais la syntaxe n'a pas à attendre 1 million d'années pour arriver, puisque tous les éléments sont déjà là. Et la pression, si on veut parler en termes de pression évolutive, la pression pour communiquer ces éléments-là étant déjà présente, on peut passer très facilement d'un proto-langage relativement grossier avec seulement quelques mots à un langage avec une syntaxe en moins d'une génération, en fait. Puis le chat. Avec. C'est quoi le verbe là dans cette phrase? Zodra het kan spreken, kan elk kind zonder formele opleiding coherente zinnen produceren en interpreteren die het nog nooit eerder gehoord heeft. Pas later leert het grammatica op school, samen met een hele reeks regels. Op basis van die observatie heeft Noam Chomsky de voorbije 30 jaar voor een revolutie gezorgd in de linguïstiek. Zijn theorie is gebaseerd op het aangeboren karakter van taalverwerving. Dat vernieuwende, intuïtieve inzicht is lange tijd erg controversieel geweest. Volgens Chomsky vormt een mutatie de bron van ons taalvermogen, ons vermogen om te spreken. Something happened that enabled, say, some small mutation. Provided an operation which yielded an infinite array of hierarchically structured expressions. Now that operation could make use of conceptual elements that already were present. So undoubtedly pre-Homo sapiens, earlier hominids, had capacities like, say, categorization and maybe action. Actor-action schema to
agent action and so on, ways of structuring experience in certain ways. But those were finite and fixed. And in fact, we find them to an extent in other animals. All of a sudden, this individual suddenly had the capacity to think as the way we think, sort of, within infinite range of structured expressions, having an interpretation that can be used for perception, for planning, for interpreting the world and so on, have a kind of a language of thought. Notice it has to be individual, because these things take place in an individual. Well, this individual would have had a selectional advantage. That is the ability to plan, perceive, interpret, and so on. That gives you an edge over others. Advantageous mutations can proliferate, not must. Often they die off very quickly in small groups, but they can proliferate through descendants. So it could have taken over a small breeding group within a relatively short time. De hypothese dat een genetische mutatie aan de oorsprong kon liggen van hersenprocessen die tot gesproken taal leiden, kon genetici niet onverschillig laten. Toch duurde het tot 2002 voor er een eerste concreet element opdook. Tijdens een onderzoek ontdekten Britse genetici een gen, het zogenaamde FOXP2-gen, dat misschien van belang was voor ons spraakvermogen. Dat gen werd door de media misschien iets te snel omgedoopt tot het taalgen. Let's go back to how we identified FOXP2, and then perhaps you could understand better what we think it's involved in. It was identified in a family named KE, where in several generations of the family, they had a very severe speech and language disorder. So their speech was difficult to understand, but they also had problems with particular aspects of grammar, tense, other portions of language which weren't just related to speech. But as they got older, they also then would have problems with reading because their language skills would be very poor. It's a gene which, when mutated, produces a severe speech and language disorder. We've looked very hard at other more common forms of language impairment, and we don't see much evidence that this gene increases susceptibility for common disorders. But it does allow us to get a foot in the door in understanding how the other genes are regulated by FOXP2 in brain development, which may provide even more insights into the biological pathways in brain development that are involved in language. Paleogenetici begonnen een onderzoek om te achterhalen wanneer die versie van het FOXP2-gen dat eigen is aan de mens voor het eerst opdook. Het was Johannes Krause uit Leipzig die ontdekte dat de Neandertaler dat gen ook droeg. Dat zou dus betekenen dat hun gemeenschappelijke voorouder, de Homo ergaster, dat gen 2 miljoen jaar geleden ook al droeg. It would be very interesting, since we now know that the Neanderthal has the same FOXP2 gene like the modern human, to then go back deeper in time to look at kind of further out hominid DNA and see then when did the gene actually came up. Unfortunately, we cannot do that because in this old remains from Australopithecines, for example, first of all, most of them are too old, so DNA lasts for a few hundred thousand years, but you cannot go back millions of years, we know that. The other problem is that many of these remains actually come from warm climatic zones, so they come from Africa, for example, close to the equator, and we know that high temperatures and dry climate is really bad for DNA preservation. So we cannot really study, unfortunately, this DNA because it is degraded and these remains are also quite old. Dus ook genetici bevestigen dat de mensachtigen al over een spraakvermogen beschikten. De sociale en exacte wetenschappen komen hier tot dezelfde bevindingen. Op basis van de verschillende bewijzen kunnen we zeggen dat taal zijn oorsprong vindt zo'n 2 miljoen jaar geleden. Mon impression c'est que c'est apparu à un moment où tout était là pour que ça se passe comme ça. Il y avait d'un côté des êtres vivants, des mammifères qui avaient un sens de la vie en collectivité qui était très élevé.
Donc il y avait besoin, pour lesquels un outil qui permet de générer la communication était extrêmement utile en termes de survie, en termes d'efficacité pour la vie de tous les jours, premier point. Deuxième point, nous avions des organes qui allaient bien fonctionner pour ça. Donc pour parler, pour émettre des sons, il faut avoir un larynx et tout ça. Et nous avions peut-être cette chance à ce moment-là. Et nous avions la chance d'avoir un cerveau particulièrement développé et particulièrement plastique. Et on peut imaginer qu'à l'occasion de la jonction des trois, le langage est né. Linguisten hebben het over een sociale en politieke verklaring voor de oorsprong van taal. De mens is een sociaal wezen in die zin dat hij een sprekend wezen is. Ah ben, l'hypothèse que je développe, c'est que le langage humain aurait émergé justement de quelque chose qui ne devait pas être très loin de ce que l'on a pu voir dans le théâtre antique grec. C'est-à-dire que la parole humaine aurait servi d'abord et avant tout à raconter des histoires, mais pas n'importe quelles histoires, des histoires que sont des histoires importantes pour une culture, les grands mythes, hein, le théâtre sacré, etc. Et que c'est grâce à ces histoires qui sont racontées que aurait pu s'établir dans les sociétés humaines une culture, un mode de vie, etc., qui a pu, d'une certaine manière, échapper au biologique, dans la mesure où ces règles ont pu être explicitées par les humains grâce au langage. Celui qui détient une information un petit peu nouvelle va la délivrer aux autres et va faire très attention d'être le premier à le faire. Et donc là, ça nous donne un indice de l'enjeu que représente le langage dans notre espèce. Et pour mesurer cet enjeu, pour essayer de comprendre pourquoi les gens racontent des histoires et discutent, c'est très simple, il suffit d'arrêter de le faire pendant quelques jours. Et la conséquence est immédiate et sans appel, c'est-à-dire que la personne qui tente l'expérience va casser son réseau social. Donc, en fait, le langage est intimement lié à la constitution des réseaux sociaux. Ce que permet le langage, c'est de coordonner l'interprétation de la réalité entre deux individus. Et à ce moment-là, ça ouvre donc toute une perspective de s'imaginer des mondes, puisque on peut s'apercevoir qu'on ne le voit pas de la même façon. On peut donc s'imaginer qu'il y a une autre façon de voir le monde à ce moment-là. Et voilà, ça, on vient de s'ouvrir au non-immédiat dans toutes ces possibilités créatrices à ce moment-là. Het is nu de beurt aan de artificiële intelligentie om voor nieuwe experimenten te zorgen die ons helpen te begrijpen hoe taal ontstaan is. Autonome robots die kunnen zien, zich kunnen oriënteren, geluiden kunnen maken en hun interpretatie van de realiteit proberen te coördineren. What we see here is an experiment where two robots are playing a language game. And this one just said something, which is actually one of the objects in the world. And this one is now pointing to the object that he believes that this one was naming. Now, this one is giving feedback, so he says, no, this was not the object I had in mind. And he's going to point now to the object that he was thinking of, so he says, no, it's this one that I meant. And now this one is looking, and so through this episode, this robot can learn the name of this object that this robot had invented or was already using. So this kind of a game is a framework in which they can exercise their lexicon, but they can also invent new names, and then the other one can learn the name, you know, and this one, they play the game many, many times, and actually very quickly they can create a joint lexicon to name the objects they find. And it turns out that if you make the worlds more complex, then you are forced to start using grammar, otherwise you cannot communicate successfully. And so we put in a bit more mechanisms in the agents, you know, and then they start building up their grammar. It's a self-invented grammar, but it has syntactic categories, like nouns and verbs, it has structure, syntactic structure, you know, it has similar things than you would find in human natural languages.
van de Australopithecus tot robots, de zoektocht naar de oorsprong van taal houdt nooit op. Alle vaardigheden die tot taal hebben geleid en de ontdekking van het gesproken woord behoren nu mee tot de toekomst van de computer. Na deze lange tocht door de geschiedenis van de mensheid kunnen we niet anders dan vooruitkijken. Want we staan misschien wel voor een nieuwe mijlpaal. Dankzij de computer zullen onze communicatiemiddelen alsmaar minder afhankelijk worden van onze hersenen. Luiden geheugen, talen en computernetwerken het begin in van een nieuwe fase in de evolutie?